Allez, ça tout le monde, c'est Tazo Récupération. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode du numéro 198, les amis, de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors Definitive Edition. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, les amis, je vais... Ouais, c'est bon, je prépare les amis. Bon, je vais très bien. Attendez, j'ai eu un problème avec ma télé. C'est bien, les aléas du direct. Je vais très bien, souvenez-vous de l'épisode précédent, on avait fait quoi? Je crois qu'on avait fait la bataille du courage, ou c'est ça? Je sais plus. La bataille du courage de niveau 2 dans le mode Ganon, je sais plus exactement. Bon, on va aller voir. On va aller voir. Donc, on va scanner d'abord nos amiibo. Donc, du coup, aujourd'hui, profitez bien parce que c'est le dernier épisode de ce mode défi pour le moment. Vous avez reçu un cadeau amiibo, un rubis. Donc, profitez bien, tout simplement parce que, bah, comme je vous l'ai dit. C'est le dernier épisode obtenu épée affilée, une épée très lourde forgée selon des techniques goronesques et au tranchant incomparable. Utilisez l'attaque spéciale pour vous rapprocher très vite de vos ennemis. Du coup, il nous en manque 3. Hop. Obtenu rapière scintillante, une épée légère comme une plume, forgée grâce à une magie sacrée, imprégnez-la d'énergie sacrée avec l'attaque spéciale et infligez des attaques plus puissantes. Il nous en manque 2 à scanner. Mario, mariage et Jamie. Hop. Et ensuite on va scanner celui-là. Obtenu écaille d'argent, un talisman de Zora imprégné du pouvoir de l'eau. La jauge se remplit à chaque attaque forte. Utilisez l'attaque spéciale pour la vider et lancer des projectiles aquatiques à distance. Et ainsi le dernier. Allez. Merci. Et voilà, obtenu épée divine, une épée forgée par la déesse dans les temps anciens. Utilisez l'attaque spéciale pour donner temporairement une affinité lumière à vos attaques. Alors du coup, oui, aujourd'hui, c'est le dernier épisode dans cette session de ce mode défi. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on avait fait dans le mode Ganon la bataille de géants. Voilà, c'était la bataille de géants de niveau 2. On avait obtenu le rang A, on avait débloqué également la bataille de géants de niveau 3 et l'épreuve de survie. Donc du coup, aujourd'hui, on va quand même s'attaquer à l'épreuve de survie. On va quand même un petit peu changer un petit peu la routine. Donc du coup, on s'attaque à l'épreuve de survie de niveau 1. Donc j'imagine que c'est comme pour les héros. En tout cas, on aura... c'est comme pour les défis des boss. J'imagine qu'on aura plusieurs vagues et il faudra éliminer ces vagues là. Alors je reviens, je vais éteindre ma lumière et j'arrive. Et me revoilà, c'est bon. Alors du coup, merde, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Alors du coup, ah, on est dans le monde du péril. Alors du coup, Didi Nolfos, est-ce qu'il y a des boss géants? Il n'y a pas des boss géants? Ben non, on aurait vu sur la carte Dark Knight, d'accord. Ben écoutez, on va commencer, éliminer tous les assassins. D'accord, il semblerait que le moral de la totalité des assassins augmente, d'accord. Éliminer la première vague d'assassins qui vous attaquent. Attention, oula, attention, j'ai pas vu ça. Ah, mais ils sont derrière. Attention. Là, ils sont 3. J'en ai déjà éliminé 1, déjà. 2. Ok. 3. Bien. Allez, hop, on va récupérer vite. Vite, vite. Oh, d'accord, les deux armes. C'est pas du tout ce que je voulais, mais bon. Alors, je sais. Normalement, je crois que c'est le nombre de KO qui est compris. Et le temps, je crois que les dégâts ne sont pas compris. Si c'est comme dans le défi tout court, dans le défi des boss. Donc, logiquement, c'est que le temps et le nombre de KO qui est compris dans le rang A. Donc, du coup, bah, on va le découvrir, hein, de toute façon. Alors, sachant qu'on est bientôt niveau 32. Enfin, bientôt. Attention, hein. Mais non, normalement on devrait passer le niveau 32, on devrait pas avoir de problème. Donc du coup on va devoir éliminer tous les assassins. Ah, des conveyeurs de cœur. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas de... On n'a pas de... Oui, j'avais oublié, on n'a pas de régénération de cœur. Donc du coup c'est pour ça qu'il faudra faire très attention. Je m'imagine qu'on aura également des boss géants. Donc du coup je m'y attends. Ok. Tac.
Sachant que là c'est l'épreuve du coup numéro niveau 1. J'espère que les autres seront très clean. Ok, on en a battu un. Voilà. C'est bien, on en a là 3 d'un coup. Allez, 4. Parfait. On va tenter d'éliminer le plus possible. Merci. Merci. Parfait. On a vaincu le Dark Knight. La première vague d'assassins reçoit encore des renforts. Ok. Avec du coup des soldats d'invocateurs qu'on va devoir vite battre. Alors je sais pas si ça va durer longtemps ou pas. On a un éclaireur, donc ça serait bien qu'on élimine l'éclaireur. Aïe 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 aïe. C'est qui nous vide? C'est qui nous vide, bien sûr. C'est qui nous vise? Appel, d'accord, d'accord. Il faut vite éliminer les éclaireurs. On est bien au niveau 32. Ok, niveau 32, c'est fait. Allez, on va vite éliminer les éclaireurs. Et également le petit soldat d'invocateur. Alors, il y a un boss géant qui est apparu. On va devoir l'éliminer. Je sais pas c'est qui, vu qu'il stan. Bon, on peut aller voir. Hein. On peut aller voir. C'est le roi de Dongo, d'accord. Hop. Dans le matériau qui est dans le truc. Attention. Alors les soldats d'invocateurs, ce serait bien qu'on les élimine. Hop. Le petit convoyeur de cœur. Le petit matériau. C'est bien, on aura vraiment obtenu plein de matériaux. Sachant qu'évidemment, là, ça sert à rien de mettre les badges et tout ça, de vendre les armes. Évidemment, on fera tout ça dans l'épisode 200, qui sera dans deux vidéos. Donc, évidemment, profitez hein, de cette bataille, du coup, là, de cette fameuse bataille de survie et de ce fameux mode défi. Parce que vous le verrez pas pendant un petit moment, tout simplement. Donc, profitez bien. Profitez bien, profitez bien. Et du coup, oui, à l'épisode 200, on mettra bah, tout ce que nous devons mettre. Tout simplement, en termes de badges, en termes de vente de matériaux et tout ça. Ok. On commence à en avoir l'habitude avec le roi de Dongo. On devrait pas avoir de soucis. On l'a assez maltraité la dernière fois. Voilà, les boss géants. On commence à avoir l'habitude. Ok. On le traîne hein, comme on a fait la dernière fois. Dans la précédente vidéo. On le traîne. Allez hop. On va tenter d'éliminer le plus possible, 17, d'accord. Ok. On l'achève bien. Merci. Le boss géant est battu. Première vague de fées. Tous les ennemis ont disparu. Et du coup, le matériau rare obtenu. Donc du coup, voilà. La deuxième vague, c'est parti. Je sais pas combien de minutes il faut le finir. Donc du coup la deuxième vague c'est parti. Ah il y a un autre roi de Dongo qui est apparu. Autant éliminer le roi de Dongo hein. Alors il est un petit peu plus puissant que d'habitude. Donc du coup il faudra faire attention. Mais on va le traîner. De toute façon on a... c'est ce qu'il faut faire donc. Et après on activera évidemment la petite jauge de magie. Alors c'est drôle parce que du coup vous savez pourquoi la barre transparente elle se vide pas. C'est à dire qu'on arrive à faire des frames parfaits sans qu'il n'ait le temps de faire quoi que ce soit. Donc c'est très drôle, c'est qu'on va réussir à le frame parfait jusqu'au bout. Comme un tasse, c'est magnifique. Et voilà, le frame parfait est là. Niveau 33. Et on a gagné un réceptacle de cœur, les amis. Ensuite, renfort, ok. Ah, Pyrodactylus. Ah oui, on peut même le mettre à terre, logiquement. Merde, je pensais que... Non, doucement. A voir, j'aimerais bien le mettre à terre en fait. Aïe 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 aïe, doucement. Doucement, parce que ça peut vite mal digérer. Enfin, ça peut mal vite partir. Donc on va devoir faire très attention.
Élimine-moi tout ça. Être tranquille. Donc, on va avoir de cœur. Ennemi est apparu. Donc, en cas d'extrême besoin, on en aura un. On va tenter d'éliminer le Pyrodactylus. Hein. Alors, je sais pas combien de KO il faut faire. Donc, du coup, là, c'est vraiment le premier round. On va voir un petit peu en termes d'ennemis. Enfin, même au niveau du rang A, ce qu'il faut faire. Sachant que je pense que c'est pareil que le défi des boss. Donc, du coup, je me fais pas de soucis. On sait encore des renforts. Ah, Mandala est apparu. Mandala est apparu. Donc, du coup, là, il faut la maltraiter. Ok, des soldats d'invocateurs se préparent pour l'invocation. Ok. Ok, nous avons des scias noirs, normal. Bien, gain des rubis. D'accord, nous avons Goma. Avec un petit convoyeur de cœur à côté. Et combien de KO total? 229, d'accord. Hop, on va du coup éliminer vite le Goma. Ah d'accord, se prépare à encourager leur armée. C'est pas très gentil ça, donc on va vite défoncer les soldats de machin. En fait, le problème c'est que je sais même pas où ils sont, donc du coup, bah, c'est pas évident de chercher. Alors, je sais pas combien de minutes il faut le finir. Je sais pas du tout. Alors, vite. Les soldats d'exhortation. On va vite les éliminer avant qu'ils encouragent. Ah non, même un soldat d'invocateur ici. Oh, doucement, 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 oh, doucement. Ouais, du coup, en fait, faut pas faire ça, hein. C'est vraiment une très mauvaise idée. Hein. Niveau 32. Oh, on a toujours le convoyeur de cœur, on sait jamais, mais bon, c'est très une mauvaise idée, quoi. Alors du coup, vite, on va devoir éliminer la mandala. On va la traîner, écoutez, comme on fait d'habitude. Je pense que maintenant on commence à avoir la petite habitude. Merde. Voilà. Ok. Sachant qu'évidemment, quand tu gagnes de niveau, on gagne plus de puissance. Donc, du coup, ça me permet de gagner en même temps un petit peu de niveau, un petit peu de puissance, un petit peu des réceptacles de cœur. On a obtenu. Ouh là là, attention. On a obtenu des trucs. Sachant que, par contre, j'aimerais bien avoir le convoyeur de cœur. Il est là-bas. J'aimerais bien avoir ça en ligne de mire. En cas de besoin. Allez, on va le traîner jusqu'au convoyeur de cœur. J'aimerais bien. Sachant qu'il y a des scies en or de partout. Ça fait un petit peu chier. Attention. Attention. Allez, convoyeur de cœur. Merci. Ici, ok, noir se double. Et sachant qu'on prend cher, donc il faut vite tenter d'éliminer le Goma. Non, 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 non. Ouh là là, là c'est dur, hein. Ça c'est fait. Boum. Allez, hop, on va vite calmer les ardeurs de tout le monde. On est au 34, hein. On n'est pas assez puissant quand même, hein. On est clairement pas assez puissant, on le voit. Merde, j'aurais pas dû faire ça. J'étais con. Niveau 35, d'accord. J'ai été très con. On va calmer les ardeurs de tout le monde parce que là il y a trop de monde. Lolo, regardez tout le monde. Y'a. Boum. Oh mon dieu, on a éliminé 50 milliards d'ennemis. Ouais, niveau supérieur, niveau 36, on en a vraiment bien besoin.
Et du coup, on a éliminé la seconde vague d'assassins. Voilà, on va aller vite vers l'invocateur. Ah! Pourquoi? Il y avait plusieurs d'électricité. Pourquoi il y avait de l'électricité? Pourquoi il y avait de l'électricité, les gens? Il y a... Me dites pas qu'il y a un banni. Le banni noir. C'est lui qui me provoque de l'électricité. Vite! Allons vite éliminer le banni noir. C'est lui qui me provoque le plus de... problèmes. Vite! Parce que le problème, si s'il me fait de l'électricité, t'as pas le faire. Attends, on est à 4000, ça veut rien dire. Et non, non, non. Et oh, 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 tu vas te calmer. Et là, on traîne le banni. On traîne, on traîne, on traîne. Faut pas qu'il ait le temps de faire quoi que ce soit. Parce que lui, il peut poser des problèmes. Il provoque de l'électricité. C'est parce qu'il est noir, c'est pour ça. Attention, pas de racisme. Hein. C'est parce que vraiment, il est, spécial. Donc, du coup, ben, je suis obligé de. c'est bizarre d'avoir dit ça vraiment, du coup je regrette. Non, je suis obligé de, de l'avoir parce que du coup il fait des effets un peu plus spéciaux vu qu'il est noir. Mais au contraire, ça vous favorise hein, parce que ça veut dire que vous êtes plus puissant. Donc du coup les amis, voilà, autant rattraper un petit peu. Hein. On rattrape, on rattrape, on rattrape. Bon, avec en plus les choses qui se passent en ce moment avec Uncle Ben et tout ça. Mon dieu. Ah, allez, il faut arrêter de non plus de tout dramatiser. A votre avis, c'est 5000 c'est 5000 le nombre qu'il faut avoir. J'hésite à aller à 5000 en fait. Bon, on va les avoir les 5000, on va les avoir les 5000, y'a pas de soucis. Attention. On va les avoir les 5000. Hein, on va les avoir, oui, on va les avoir. C'est bien, on a des matériaux par dizaines de milliers, de centaines de milliards. J'aime beaucoup. Et on est bientôt niveau 37 d'ailleurs. Donc j'aime beaucoup également, on va pouvoir gagner un petit peu plus de puissance. Sachant que du coup, vu que c'est de niveau 1, j'imagine qu'il y aura d'autres niveaux. Donc du coup, j'appréhende les autres niveaux, mais ça sera pour la prochaine session. Ouais, puis j'aimerais bien obtenir un petit peu, aller à 5000. Voilà. Un niveau de plus, ce qui me permet d'être un petit peu plus puissant que là. Normal, et on reste calme, les gens. Dégage. Voilà. Attention. Voilà, on reste calme. On va tenter d'en finir le plus possible, sachant qu'on est à 14 000. Ça va. J'aimerais bien aller au moins à 5 000 pour bien m'assurer, peut-être le potentiellement. Voilà, le potentiel 1. Hop, on élimine, on élimine, on élimine. C'est parti. C'est la dernière vague, donc j'imagine que si on élimine les deux derniers assassins qui sont les deux boss géants, à mon avis, on pourra débloquer. Enfin, on pourra en finir. Donc, du coup, c'est pour ça que j'élimine, j'élimine, j'élimine. Je dois se concentrer. Oh, ils sont nombreux ici. Attention. Boum. On va un petit peu dégager le terrain parce que en début, on a 20 000 rubis, ça va rien dire. J'ai vaincu Goma. Ah, c'était Goma l'assassin, d'accord. Bon, bah écoutez. Bon, bah c'est fait. C'est fait, c'est fait. Bon, bah écoutez, on a récupéré le maximum de matériaux qu'on pouvait là. Alors c'est vraiment bien parce que c'est une zone vraiment très bien pour les matériaux. C'est parfait. Et du coup, on a le rang A ou pas? Oui, regardez, KO étant, c'est parfait comme dans le défi des boss. Donc c'est parfait. J'avais peur parce que vous imaginez qu'il fallait atteindre les 9999. C'est possible, hein, c'est pour ça que je me suis tué. Alors du coup, nous avons gagné 7 armes, baguette de feu, 80 de dégâts, élément feu, ocarina d'effet, 80 de dégâts, attaque spéciale, plus, gantelet d'argent, 88 de dégâts actuels, plus, baguette de feu, 96 de dégâts, 5000 ennemis requis, sabre de l'usurpateur, 88 de dégâts, slot vide, lire de la DS, 96 de dégâts, attaque spéciale plus, et ainsi épée gravée, 88 de dégâts, attaque fort 2.
avec un spectre de cire. Putain, regardez toute la liste des matériaux. C'est une liste qui défile carrément, qui... c'est un truc de dingue. Une pousse de mandala, une poupée dame de glace, 4 brassards de dinol, 9 bracelets de Sia, une grande écaille de Banni, une étincelle de Pyrodactylus, un acide de Goma, 2 griffes du roi de Dongo, 8 souffles de dame de glace, une pièce d'armure de Dark Knight, 52 crocs de Dinophos et ainsi 2 tôles de monstres. Bien! Et du coup, la prochaine, c'est l'épreuve de survie de niveau 2. J'imagine, c'était bien ça. Donc du coup, on ira, ben, les amis, la prochaine fois, quand on fera un nouveau le mode Ganon, on fera logiquement, ben, pourquoi pas, l'épreuve de survie de niveau 2. Comme ça, quand on va gagner encore un petit peu plus d'XP, donc un petit peu plus, peut-être un petit peu plus de niveau, pour pouvoir faire la bataille de géants de niveau 3, où il faut éliminer les chefs les chefs de horde, tout simplement. Donc du coup, ben, écoutez les amis, c'est fini pour cet épisode 198, c'est terminé le mode défi pour le moment, pour cette session de ce petit mode défi. Donc du coup les amis, la prochaine fois, nous ferons l'épisode spécial tutoriel, dans lequel ben, on continuera les tutoriels, là on s'était arrêté, dans lequel ben, on tout simplement, je vous expliquerai en mieux et en large comment utiliser par exemple l'ocarina dans les meilleures conditions, la suppression des objets, etc. etc. Vraiment rendre le bah simplement le l'utile à l'agréable. Donc vraiment j'aimerais bien, du coup on fera la deuxième partie du tutoriel la prochaine fois et on partira du coup dans l'épisode 200 et de faire une très très grosse revue, vraiment une très grosse revue de tout ce que nous avons obtenu dans le jeu sur ces 200 vidéos. Donc du coup on ira voir le mode légende, on ira voir le mode aventure, le mode défi, le jardin des fées, la galerie et puis voilà, tout simplement pour bah, tout simplement passer en revue tout ce que j'ai récupéré et également dans les badges. Enfin, on ira du coup dans la badgerie, on ira mettre nos badges en même temps. Après, nous irons voir nos armes dans le ferrailleur. Comme ça, au moins, on ira vendre ce qu'on peut. Et du coup, les amis, voilà, c'est fait. Sachant qu'on est niveau 71 avec Link. C'est juste un truc de dingue, c'est qu'on a passé, on a réussi à battre, enfin à passer la barre des 70 niveaux. On est niveau 51 avec Impa, on voit vraiment que on a bien bien évolué et j'aime beaucoup. On passe, du coup je crois que je suis niveau 37 ou 39 je crois avec Ganon. Donc du coup bah, ça veut dire qu'il nous manque au moins 266 niveaux, logiquement. Non, c'est pas possible, 270, c'est pas possible. 166. C'est peut-être un peu plus... Non. 200... Je vais pas y arriver. 40, ça fait 215. Du coup, c'est... non, 40... Tu mets 255 moins 40, ça fait 215. Du coup, il me manque... 215, 216. Du coup, il me manque 216 niveaux. Tout simplement avec Ganon. Et non, du coup, voilà. La prochaine fois... On fera du coup la phase tutoriel, moi que je vais enregistrer du coup l'épisode tutoriel maintenant et je vais même enregistrer l'épisode 200, comme ça au moins je suis tranquille, j'ai fait la grande session. Donc évidemment il y a beaucoup d'Hyrule Warriors, des vidéos d'Hyrule Warriors qui sont sorties en ce moment, c'est fait exprès parce que comme je vous ai dit je veux vraiment réussir à mettre l'épisode 200 avant septembre pour pouvoir partir en pré-septembre dans de bonnes conditions après l'épisode 200 avec le nouveau planning et tout ça. Donc du coup voilà, et également je dois réussir à faire la rumeur Asia et la bio news avant. J'ai plein de choses à faire avant, sachant que le mode août, enfin le en août ça avance vite hein, malgré on pense le croire, ça avance très vite. Et donc du coup voilà, merci de m'avoir suivi pour cet épisode vraiment numéro 198, en espérant que ça fera pas trop de déçus, que ce mode défi ben c'est fini pour cette session. Donc du coup évidemment du coup à l'épisode 201, notre prochain objectif sera dans le mode aventure, faire la carte explorée, en tout cas continuer notre carte explorée. Donc du coup soyez là à l'épisode 201, sachant que je répète à l'épisode 201, pour les gens qui ne veulent pas avoir du farm, je ferai que du farm, donc pas de nouvelles cartes, pas de nouvelles cases, pas de nouveaux collectibles du coup dans le sens réceptacle de cœur, scutula, habit de fée, etc. etc. C'est plus pour récupérer bah, du coup un maximum de cartes d'objets pour pouvoir me remettre dans le bain et également pour pouvoir du coup bah, avancer un petit peu plus, enfin pour pouvoir du coup avancer bien longtemps sans faire d'épisode farm dans 5 ou 6 vidéos après donc, par exemple. Donc du coup voilà, c'est pour vous dire que du coup soyez vite au courant de tout ça. Et en tout cas j'espère que cette vidéo
vraiment vous aura plu. Moi, j'aurais vraiment passé un agréable moment dans ce mode défi. En espérant que vous serez toujours là à l'épisode prochain pour pouvoir faire le tutoriel. Et que vous serez, vous serez là à l'épisode 201. 200 et 201. Et évidemment, après, pour pouvoir du coup continuer notre aventure sur ce magnifique jeu qui est tout simplement Hyrule Warriors Definitive Edition. Merci de m'avoir suivi et on se retrouve du coup la fois prochaine pour la suite de notre aventure. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace.